tout le monde! Comment ça va? Est-ce qu'on entend bien? Est-ce que tout le monde va bien? On attend un tout petit peu que tout le monde se connecte. Alors, je vous explique un tout petit peu qu'est-ce qui se passe pour ce live d'aujourd'hui. Donc, je vais reproduire le programme que mon coach Erwan, il m'a donné. Et oui, alors, c'est pas un circuit qui est très très compliqué. Donc, aujourd'hui, on va faire le renforcement des membres inférieurs et les abdos. Magnifique! Donc, écoutez, voilà. Hein. On va essayer de renforcer un tout petit peu les cuisses, les fesses et, bien sûr, avec le smile. Alors, je vous annonce un tout petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir pour ceux qui savent déjà. Donc, nous avons des fentes au menu, suivi d'un squat, suivi des mountain climbers, ensuite des soulevés de terre, ensuite la planche, ensuite la chaise, et puis pour terminer, si vous avez une corde à sauter, très très bien. Voilà, ça c'est le programme de ce soir. Alors pourquoi je fais ce petit live? Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai du mal à me motiver en ce moment. Il fait très très beau, on a une seule envie, c'est de sortir. Vu qu'on est en confinement, ce n'est pas possible. Il faut rester un maximum à la maison. Donc j'essaye de me motiver et il n'y a rien de mieux que me motiver avec vous. Parce que c'est bien, voilà. C'est mieux de se motiver à plusieurs. Donc voilà. Écoutez, on va commencer. Donc, juste pour vous dire qu'en tout premier, on a des fentes, d'accord? Ce sont des séries de 15 et on va les répéter 4 fois. Donc, c'est assez facile. Vous me dites si le son est trop fort, je le baisse. Je me suis mis un petit chronomètre en ligne, comme ça au moins... c'est bien. Ok, donc, si c'est trop fort la musique, je la baisse un tout petit peu. Et comme ça, on se motive tous ensemble, c'est plus facile. Ok? Donc, je vais baisser quand même un tout petit peu. Voilà! Alors, on va commencer. Et j'espère que Erwan ne m'en veut pas si je fais des fautes. C'est le programme de Erwan, donc mon coach. Je vous donnerai ensuite son Instagram parce qu'il est top de chez top. Et je crois que chaque matin à 10h30, il fait des cours en live sur son Instagram, mais aussi sur le Facebook de UCPA. Voilà, si vous êtes intéressé, UCPA, vous vous mettez en ligne et à 10h30 chaque matin, il nous fait des super entraînements. Allez, c'est parti. Donc, 4 fois 15 de fente avec 45 secondes de repos à chaque fois, d'accord? Donc, c'est parti avec la jambe droite. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on change tout de suite de jambes. Sans repos, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez, 13, on lâche pas, 14, 15, top, 45 secondes de pause. On relâche un tout petit peu les muscles. N'hésitez pas si vous avez des questions. Encore 25 secondes.
Allez, encore 15 secondes. Et on recommence, hein. Forme droite et forme gauche. Allez. Et on recommence. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Go. 2, 3, 4, 5. Allez. 6. On pousse bien sur les jambes. 7, 8, 9, 10, 11. Wouh, j'allais tomber. 12, 13, 14 et 15. On change tout de suite de jambes. Et c'est parti. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hey, 45 secondes de pause. J'adore quand c'est la pause. Allez, go, 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 taquet, hein. Vous êtes avec moi, hein. C'est parti. Donc, je rappelle, on est sur des exercices de renforcement des membres inférieurs et des abdos. Voilà, on a fini la deuxième série de fentes et on va attaquer dans 20 secondes la troisième. D'accord ? Ensuite, on passera bien sûr au squat. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, tu changes de jambe. Et c'est reparti tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, 45 secondes. Et on commence la quatrième série et la dernière avant de commencer les squats. Donc si vous avez des questions, dites-moi. T'es belle Sylvia. Patron, en ce moment, est-ce que vous avez vu mes cheveux là? Je n'en peux plus. D'ailleurs, c'est Denis qui va me les couper. Moi, je lui ai coupé les siens, là, il va couper les miens. Ça va être carnage, c'est pas grave. On s'en souviendra. Ça fait des souvenirs tout ça, non? Allez, ça tire. Eh oui, ça tire, j'imagine bien. Alors, hydratez-vous. Si vous avez une petite bouteille à côté de vous, n'hésitez pas à boire un tout petit peu d'eau. D'accord? Faut vous hydrater. Allez, c'est reparti. Dans 5, 4, 3, 2, 1, la dernière en fente. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, et 12, et 13, 14, 15, et on change de jambe tout de suite. Et c'est reparti. 1, allez, 2, ça tire et ça fait du bien. 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9, allez, encore 5, et 4, et 3, et 2, allez, et 1, et la dernière. C'est terminé! Donc, c'est terminé avec les fentes. On continue avec les squats. D'accord? On me dit qu'il faut que j'en fasse 4 x 15, comme on vient de faire.
avec les 40 secondes, 45 secondes de pause entre les deux. D'accord? Dites-moi si tout va bien, si vous êtes toujours là. C'est dur, c'est dur. Juste pour vous dire que j'ai lancé un défi, j'en profite pour vous raconter que j'ai lancé un défi à monsieur Djibril Cissé, qui a accepté bien sûr. Donc le défi, c'est qu'il fasse une de mes chorégraphies, je vais lui envoyer une petite vidéo. Et lui, il va me massacrer à faire des exercices de sport. Voilà, tout ça en ligne pendant un direct vendredi, donc je vous tiendrai au courant comment ça se passe. Allez, c'est parti dans 15 secondes pour les squats. Alors, comme il me dirait Erwan, si je me souviens bien, il me dit que les pieds et les genoux doivent être parallèles, une ouverture un peu plus large que les épaules à peine, et que le dos, en fait, il faut qu'on pousse les fesses en arrière et que le dos doit rester bien droit, d'accord? Il ne faut pas non plus aller jusqu'au bout, il faut rester à cette hauteur-là. Donc c'est parti, 7, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 12, 13, 14, 15. Vous resserrez bien les fesses en remontant, 45 secondes de pause. Allez, ça va le faire. On va y arriver. Go, go, go. C'est chaud, hein? C'est dur, mais c'est ce qu'il faut faire pendant un confinement. Faut pas rester sur un canapé, à la maison, ou sur une chaise, ou sur son lit. Il faut essayer de se motiver un maximum, et il n'y a rien que mieux que le faire ensemble. Donc, allez, on y va. Courage! Et c'est reparti. 5, 4, 3, 2, 1. 15 répétitions. C'est parti. 1. Et tu serres bien les fesses. 2. 3. Allez, pousse sur tes talons. 4. 5. 6. Fesses en arrière. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14 et 15. Allez, on va finir la deuxième répétition. 45 minutes. 45 secondes, pardon. Ce serait bien 45 minutes de pause. Et on repart pour la troisième. Allez, allez, courage. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-vous. Allez. En fait, il y a tellement un beau soleil à l'extérieur. Allez, pas d'excuses. On va repartir dans 15 secondes. Allez. Prochain exercice, juste pour vous dire, là on fait la troisième de squat, après c'est les mountain climbers. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Troisième répétition, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu serres bien les cuisses, les fesses, pardon. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, 45 secondes de pause et on est parti pour la dernière des squats. Allez, on y va, hein. On lâche pas, si vous lâchez, je lâche aussi. Donc, il faut vraiment se motiver. Faites à plusieurs, il faut essayer de se motiver. Allez. En attendant, hein, écrivez-moi, dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? Je sais que la petite vidéo sur... le stretch et pour faire le grand écart vous a beaucoup plu. Donc moi j'ai d'autres bien sûr exercices par rapport à l'étirement. Ça a été toute ma vie et toute ma souplesse. Je pense que vous êtes plusieurs à vous en rappeler. Donc si vous avez besoin, dites-moi que je vous fais des lives aussi d'étirement si vous avez besoin. Allez, c'est reparti pour la dernière. 5, 4, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Yes! Allez, on se prépare. Prochain mouvement, c'est le mountain climber. Alors, on a 4 séries pendant 30 secondes cette fois-ci. Donc, il n'y a pas de combien de pas on va faire, mais c'est plutôt combien de temps on va rester. Donc, le mountain climber, si je me souviens bien, il faut mettre les mains à côté des épaules, quoi, à hauteur des épaules dans tous les cas. On se met en position de planche. Pas les fesses en haut, pas les fesses trop en bas. Il me semble qu'on est dans cette position-là et on ramène le genou comme si, en fait, on faisait une espèce de course sur place, tout en maintenant, en essayant bien sûr, de maintenir le dos droit. D'accord ? Donc, on part dans 15 secondes et on a 30 secondes de mountain climber. Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go ! 30 secondes. Ça sert à rien d'aller vite au début, d'accord ? Je vous rappelle qu'on a 4 séries à faire de 30 secondes. Et 30 secondes de repos, bien sûr. Allez, petite course sur place. Allez, 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 courage. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allez, 30 secondes de pause. Ça chauffe là. Ah, ça fait du bien. Allez, on reprend dans 20 secondes. Le temps de serrer la couette. Ses cheveux, je ne sais plus quoi en faire. Dans 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Ouh là là, le temps passe vite. Allez, c'est reparti. 4, 3.
que ça va? Je transpire un tout petit peu moins. Ciao. Ciao Greta. Est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'il faut faire? Vis ma vie de femme de chef. Hein? La carbonara, elle est bonne, les cookies sont bons, le risotto, c'est bien. Mais alors, comment on fait après pour éliminer? Oh, c'est compliqué tout ça, hein? Faut redoubler d'efforts. Vous vous rendez compte? Oh là là. En même temps, c'est tellement bon. J'en peux plus. Alors, prochain. C'est quoi? C'est le montage, c'est le soulevé de terre. Alors, si je me souviens bien, hein, toujours, hein, on va prendre nos deux bouteilles d'eau. Si vous ne les avez pas, prenez quand même deux petits poids. Ou même, vous le faites à corps libre, hein, ça marche pareil. Donc, les pieds sont un tout petit peu ouverts. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en sentant, en fait, cette partie-là derrière du corps qui s'allonge. D'accord? Il ne faut pas casser le dos. Au contraire, il faut essayer, en fait... Vous pouvez fléchir un tout petit peu les genoux. On emmène les bouteilles presque par terre, comme si elles touchaient. Et là, vous sentez déjà qu'à l'arrière des cuisses, eh ben, ça tire. Et là, hop, vous remontez tout en serrant les fesses. Donc hop, on descend et on remonte en serrant les fesses toujours. Un, hop, on dirait Chewbacca là. D'accord, donc là, on a combien? Et eh bien, on a 4 séries de 15 pendant. Non, 4 séries de 15. Et ensuite, on a 45 secondes de pause cette fois-ci à chaque fois. Donc, c'est parti. 4 séries. Bon. Et 1. Tu te redresses. 2. Ça doit tirer derrière les cuisses. Hein, et on serre les fesses. 3. 4. Le dos droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Encore. 11, 12, 13, 14, 15 et top. 45 secondes de pause. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je fais des, comme si c'était des soulevés de terre ou presque. En tout cas, j'ai deux petites bouteilles de 1 litre et demi d'eau, bien sûr. Et suivez ce petit entraînement, ça nous fait du bien, ça nous fait transpirer. Coucou. Il faudrait manger que de la salade. La salade, il faudrait manger. On peut pas se permettre de manger des cookies quand on est en confinement, c'est pas possible. Elle est dure la vie, hein. J'ai pris des livres, c'est parfait. Extraordinaire, très bonne idée. Le livre fonctionne. On repart pour la deuxième série? Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go. 1. Et tu serres bien les fesses. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Sentez bien les fesses qui sont en arrière et vous serrez à chaque fois que vous remontez. 13. 14. Et 15. Trop bien. Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Erwan, viens là, affiché, bien sûr. Ceux de whisky sont les meilleurs. Coucou Erwan! Je te surveille. Ouais, exactement. Alors, je suis ravie que tu sois là parce que du coup, c'est très compliqué pour moi à expliquer. Vu que je n'ai pas l'habitude, ce n'est pas du tout mon métier, c'est ce que j'expliquais aux gens. Mais que j'avais vraiment envie de faire en fait les exercices avec mes fans parce que sinon, toute seule, je n'arrive pas à me motiver. Tu sais très bien que la motivation, c'est la première des choses.
Ok, bon, il te reste quoi à faire comme exercice là? Alors, je suis en train de faire avec les bouteilles d'eau. Deadlift, ok. Ouais, il me reste deux séries. Ok, donc tu dis bien qu'il faut bien mettre la pression dans les talons uniquement. Ah ben voilà, donc non, ben, ils vont t'écouter là, d'accord. Pression sur les talons, dit Erwan. Voilà, vous avez compris? Les genoux légèrement fléchis à la descente. Ouais. Tu prends des jambes complètes quand tu remontes en serrant bien les fessiers et tu reverrouilles les omoplates derrière. Vous avez compris? Vous avez compris pourquoi, coach, ça ne s'invente pas en fait. C'est un métier, oui, c'est comme être danseuse. Je le répète, hein, parce qu'on ne sait jamais si les gens n'ont pas compris. Je ne donne absolument pas un cours de coach, de coaching. Je répète, j'ai dit la séance de Erwan. Et d'ailleurs, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur, moi je l'ai dit, hein, UCPA, c'est ça, ouais, à 10h30 le matin. Je suis UCPA deux fois par semaine à 10h30. Donc là, le prochain cours, c'est Pilates vendredi à 10h30. Très bien. Et cuisse abdos fessiers samedi à 11h. Waouh, génial. Donc, notez bien tout ça parce que c'est des cours extraordinaires. Et si j'arrive à maintenir un tout petit peu la ligne, bah, c'est grâce à Erwan. Hein. Donc, bougez-vous le cul. Allez voir ces cours et vous allez comprendre. Allez, bon. C'est reparti. Bon allez, c'est reparti, j'y vais. Bisous. Donc, pression dans les talons, hein. Et 1 et 2 ouais 3 il me fait le pouce tout va bien 4 5, moi je crains toujours Erwan, 6 7, allez 8, pression dans les omoplates, il a dit 9 et 10 et 11 et 12 et 13, 14 et 15. Allez, la dernière. Et ensuite, on passera à la planche. Mon Dieu, ça va être dur. Alors, il y a une chose voilà, qui m'a toujours aidée quand je prenais des cours de danse ou quand je faisais du sport aussi. C'est je n'ai pas envie de décevoir. Ça, c'est une chose que mes parents m'ont toujours donné comme conseil. Quand quelqu'un t'enseigne quelque chose, il faut le prendre toujours avec respect et bien sûr y croire et essayer de ne pas décevoir la personne. Donc voilà, moi, mon coach, c'est Erwan, je le répète, et j'ai absolument pas envie de le décevoir. Donc suivez-le et faites attention à ce qu'il fait parce que c'est extraordinaire. Allez, je recommence la dernière, c'est trop poétique. Go ! 1 2, pression dans les talons. Go ! 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ah oh là, ça fait mal, hein. 13 14 et 15. Bon, bah c'est fini avec cet exercice. Le prochain, c'est la planche. Alors, Erwan me fait faire 4 séries de 45 secondes et 45 secondes de pause. Donc, on commence dans 15 secondes. Attention. Bah, bravo Erwan, et ceux qui me suivent, c'est grâce à toi Erwan. Allez, on va commencer dans 20 secondes et c'est une planche. Attention, dans 15 secondes, hein, et 45 secondes ensuite de pause. 45 secondes, vous êtes prêts? Dans 4, 3, 2, 1, c'est parti. Je me souviens bien qu'Erwan me dit de tirer les coudes en arrière et d'absorber le nombril. Absorber, ça ne veut pas dire avoir les fesses cambrées comme ça, mais plutôt d'absorber le nombril et donc d'avoir cette introversion du bassin. Allez, encore 15 secondes. Allez, ça va vite.
On n'y pense pas. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Allez, 45 secondes de pause et on recommence pour une deuxième. En attendant, je vous lis. C'est sympa. Merci pour la team Sylvia qui continue à me suivre depuis des années maintenant. Ça va faire bientôt, pour certains, 8 ans, 9 ans. Ça passe vite le temps, hein? Allez, on va y arriver. On recommence dans 10 secondes. Planche à 45 secondes, hein? Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. On absorbe le nombril, comme il dit Erwan, et on tire bien les coudes en arrière et on se tient droit. Donc, pas de cambrure, pas en bas. On essaie de garder une planche, hein. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, je pense. Erwan, tu me dis, hein, si je me trompe. Allez, encore 15 secondes. C'est pas facile. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Bravo pour la deuxième. Allez, encore 3, encore 2, pardon, et ça va. Le temps passe vite. Allez. Prof de sport, pas du tout. Je le répète, je ne suis pas coach de sport. Je répète la séance que mon coach Erwan m'a donnée. Et du coup, je la partage avec tout le monde. Et voilà, c'est un renforcement des membres inférieurs plus les abdos. Il m'a envoyé des jolis exercices en vidéo. Et vous pouvez le suivre aussi. C'est sur le site de UCPA. Voilà. Donc, si vous voulez le suivre, je le répète, c'est chez lui qu'il faut aller. D'accord? Moi, je fais juste ma petite séance, je la partage avec vous. Salut à tout le monde qui me rejoint. Voilà, je partage, c'est tout. Moi, je suis juste prof de danse, hein, je le répète. Je ne suis pas du tout coach. Je veux juste faire du bien à ma façon, partager avec vous. 5, 4, 3, 2, 1. Et allez, c'est parti pour la planche. On absorbe le nombril, comme il me dirait, hein, bien sûr. Allez, n'oubliez pas.
maximum. On commence dans 15 secondes. Appuyez-vous à un mur. Chaise. Bon, bah, parce qu'on est en position de chaise, ouvert ici. Le dos, il est collé, je crois, au mur. Et 5, 4, 3, ça passe trop vite. 2, 1, et c'est parti pour une minute. Hop. On rentre bien ici. Et puis, puis on attend. On ne s'aide pas avec les mains, je crois. C'est horrible. Il n'y a que 20 secondes qui sont passées. Hein. Allez, on essaie de se motiver. 30 secondes qui sont passées. Je ne sais pas si ma position elle est correcte. Allez, encore 20 secondes. Ouh là là, j'ai mal. Je triche pas. Hein. Mon Dieu. Allez. Go, 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 go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, ah. Ça crame. Est-ce que ça va? Bon, alors on a combien? Là, on a 45 secondes de récup. Hein. C'est horrible. J'ai mal. Maman, j'ai mal. Ouh là, j'ai transpiré. Hein. Bon, je crois qu'on va reprendre dans plus ou moins 15 secondes. Ça passe trop vite en fait. Ça brûle, mais ça déchire cet exercice. C'est pas grave si on lâche. Hein. On continue quand même. Attention, dans 10 secondes. C'est maintenant presque dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, une minute. Allez, on colle bien le dos au mur. Voilà, et on reste là. On ne s'aide pas avec les mains. Je crois qu'il faut être même un peu plus bas, hein, je dirais. Mon Dieu, ça brûle. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions, bien sûr, sur... cette séance, je ne pourrai pas forcément y répondre, mais peut-être qu'Erwan pourra le faire à ma place. Je lui transmettrai toutes les questions que vous avez. Et j'ai un autre exercice, un groupe d'exercices qu'il m'a donné. C'est celui des membres supérieurs et abdos. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais quand même refaire une séance. Allez, encore 10 secondes. Et comme ça, on pourra toujours la partager ensemble. Moi, ça me permet de faire du sport avec vous, de ne pas lâcher. Et voilà, quoi. Juste de partager. C'est ça le but. Mon Dieu, que ça crame. Ça crame. 3, 2, 1. Oh la vache. Allez, 45 secondes. J'ai trop mal. J'ai trop mal, je vous jure. Oh. J'ai mal. Et alors, je vous disais, j'en profite pour vous rappeler que j'ai deux rendez-vous cette semaine à vous faire partager toujours. Un, ça va être vendredi avec Djibril Cissé. Je lui apprends une petite choré de danse qu'il va devoir reproduire en live. Et moi, je vais devoir faire en live ses exercices de sport. Donc, je ne vous dis pas, c'est le retour de la médaille. Je pense qu'il va me faire souffrir. Attention, dans 5, 4, 3, 2, 1. Le dos collé et c'est reparti. Pendant une minute. Go. Allez, si on a la chance de sortir de ce confinement, peut-être qu'on pourra passer des vacances, je dis pas normales, mais on va pouvoir peut-être se mettre en maillot de bain. Moi, je pense déjà à ce moment-là, quand je vois le temps qu'il fait dehors, c'est normal. Et puis voilà quoi. Ça nous fait du bien, en fait, ça nous dépense un peu. N'oubliez pas, hein, restez le maximum chez vous. Le masque est bientôt obligatoire. Donc attention, dans 15 secondes, on a fini la troisième. Hein. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'arrive plus à me... j'ai mal. Ça brûle. Je disais le premier.
premier rendez-vous, c'est vendredi avec Djibril. Il va faire un petit morceau de danse. Et puis moi, je vais faire des exercices de sport. Et le deuxième rendez-vous à ne surtout pas manquer, c'est celui que j'ai avec Greta. Greta, c'est une superbe copine. D'ailleurs, elle est connectée. Et on va faire en fait un K-Lime Pie. Donc, c'est un gâteau américain au lime. Sur ma story, vous avez tous les ingrédients. Donc, on va faire un super gâteau ensemble. Voilà. Et puis après, peut-être du sport parce qu'il faudra bien l'éliminer. Allez, dans 15 secondes, on repart pour la dernière série. Hein, donc, ne me lâchez pas, c'est la dernière. Avant de faire, si vous avez un tout petit peu de corde à sauter. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Oh là 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 là. Allez, on rentre bien le ventre et on essaye de rester un maximum. Alors, j'ai un problème, c'est que je glisse avec mes petites baskets. Je rappelle, moi, j'utilise des baskets intérieures. Donc, ce n'est pas des baskets avec lesquelles je vais aussi à l'extérieur. C'est des baskets que j'ai que à l'intérieur. Quand je fais de la corde à sauter chez moi ou je fais des exercices, ces baskets-là ne sortent pas de chez moi. Voilà. Donc, comme ça, il n'y a pas de microbes. On n'emmène pas de la saleté à la maison. On essaye d'avoir toujours une paire appropriée pour chaque sortie de sport qu'on a. Donc ça brûle, hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis en train de crever là, en fait. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et... Oh, on a fini. Vous êtes contents? On a fini? Donc, le dernier exercice pour moi, ça va être de la corde à sauter. Donc, je rappelle, vendredi avec Djibril, samedi à 17h avec Greta, on fait un K-Lime Pie en direct, en live, sur l'Insta Live de Greta. Donc, je vous l'ai mis en... dans mon Insta. Alors, si vous avez une corde, eh ben, vous êtes les bienvenus. Moi, mon défi actuel, c'est en train d'essayer de faire le plus possible de tours en une minute. Donc, on va les compter ensemble. Si vous ne les avez pas, restez connectés avec moi. Vous allez m'encourager en une minute. Alors, d'habitude, j'en fais 120, 130. Donc, on va voir un tout petit peu si je n'ai pas perdu depuis ces jours-ci. Posez-moi toutes les questions possibles. Sachez que le live avec Greta est absolument extraordinaire parce que depuis quelques années, comme vous savez, je suis avec un chef. Hein, et j'ai mis un petit hashtag qui est très sympa qui s'appelle hashtag vie ma vie de femme de chef où j'explique des choses très très drôles qui m'arrivent depuis que je sors avec un chef. Tout le monde peut croire que c'est toujours tout beau, tout rose, mais en fait, on se marre, voilà. Donc, si vous avez envie de me poser toutes les questions par rapport à le hashtag « Vive ma vie de femme de chef », Greta et moi, on va vous répondre pendant qu'on fait, bien sûr, pendant qu'on fera la recette hein, du K-Lime. Donc, je me mets un chrono. Hop. Allez, relancez. Et en une minute, on va voir combien de tours j'arrive à faire en essayant de ne pas me fracasser et de ne pas abîmer des meubles. Et d'essayer de ne pas faire trop de bruit pour les voisins. Mais bon, ça va, il est bientôt 19h. Allez, go! Et c'est parti. Attention. Go! 10. Peace.
voilà, une minute est passée. Je crois que j'en ai fait 130. Ah, allez, j'en refais une deuxième. Et c'est reparti. Si ce live vous a plu, n'hésitez pas à en parler. Et puis, je ferai peut-être aussi des séances, surtout d'étirement et pour faire le grand écart. Donc, dites-moi si cela vous intéresse. Allez, go, c'est parti. J'ai battu un peu mon record. J'en peux plus. Écoutez, merci de m'avoir suivi pendant ce live. Je répète, je ne suis pas prof de sport. J'ai juste suivi les règles et les conseils de Monsieur Erwan, qui est mon coach personnel. Si vous voulez le suivre, c'est sur UCPA, sur Facebook et sur Insta. Voilà. Est-ce que je sais danser le classique? Non, je suis désolée. Sinon... Voilà, étirement, très bien. Donc, si vous voulez des séances d'étirement, vous me dites. J'ai plein d'exercices et plein de petits secrets pour être un tout petit peu plus souple. Oh, cette séance m'a tuée. Merci, Erwan. Et puis, à bientôt. Continuez de me suivre. Et continuez à suivre un peu les péripéties que j'ai avec Denis, hein, parce que d'habitude, il est dans les restaurants. Là, c'est vrai que la voir à la maison, c'est différent, mais c'est génial. Il va bientôt me couper les cheveux d'ailleurs, donc je pense que ça va être un carnage. Mais bon, écoutez, je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un autre live sûrement. Ciao! Tenez-vous en forme, mettez de la musique, soyez heureux, la vie est belle, on va sortir de là. Et on aura appris beaucoup de choses sur nous et sur les autres. Ciao, belle.